La rue du Commerce fait partie de zones de stationnement qui seront dans quelques jours réglementées. Les horodateurs sont déjà bien équipés et prêts à fonctionner. Les avis divergent en ce qui concerne ces zones payantes. En premier temps, il faudrait d'abord que nous ayons des parkings vastes déjà, parce que la place qui a été aménagée là-bas, c'est un peu trop serré par rapport parce qu'il y a des gens qui travaillent dans le centre-ville sur Mamoudzou et qui viennent se garer ici. Moi, je pense que c'est une très bonne chose parce que ça permettra en fait d'avoir une fluidité sur les accès au parking, en même temps booster ceux qui font du commerce. Et économiquement parlant, ça permettra d'avoir, on va dire, un certain souplesse au niveau clientèle pour que les gens puissent consommer et puissent circuler en fait dans la bonne et due forme. Mettre de l'ordre dans la circulation, c'est la stratégie de la mairie de Mamoudzou. Celle-ci souhaite une meilleure rotation des véhicules et donc plus de places disponibles dans le centre-ville. Désormais, il y a des zones qui sont des zones payantes avec horodateur, et puis il y a des zones qui vont rester en zone bleue avec le disque bleu, et puis il y a une zone qui fera le mixte. C'est l'ancienne place du marché où le parking à l'intérieur sera une zone payante et l'extérieur sera une zone bleue. Il va y avoir un abonnement annuel pour les résidents et pour les commerçants. Je donne un exemple pour les résidents, ça va être 70 euros l'année, donc j'allais dire pratiquement pas grand chose. Ensuite, après, pour les autres, ça sera un paiement en fonction des zones. Voilà, il y a des zones courte durée, il y a des zones longue durée. Il y a des tarifs qui sont détaillés sur un prospectus qui sera distribué partout. Par exemple, vous restez une demi-heure, c'est 20 centimes. Vous restez une heure, c'est 1 euro. Bon, je pense que ce ne sont pas des tarifs exorbitants. Pour mieux préparer les habitants à ce nouveau fonctionnement, des démonstrations auront lieu la semaine prochaine et des prospectus sont d'ores et déjà disponibles.